Alors, je vous propose maintenant de poursuivre cette journée avec un regard de soignant. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Laure Coppel, donc chef de service de l'unité de soins palliatifs du groupe hospitalier Diaconès Croix-Saint-Simon. Donc, vous allez nous parler de ce qu'est la culture palliative, en commençant peut-être par ce qu'elle n'est pas. Et puis, bien sûr, une petite remarque par rapport à ce que vient de souligner Emmanuel. On parle effectivement de culture palliative et on n'a pas employé le terme de médecine palliative. Mais je vous passe la parole. Merci beaucoup. J'ai été très honorée qu'on ait fait appel à moi. Et effectivement, je pense qu'on va avoir des propos qui sont complémentaires, mais qui vont dans la même direction. Alors, j'ai aujourd'hui la lourde charge de présenter les soins palliatifs dans une forme de globalité, avec des concepts, des valeurs, mais quand même, j'espère surtout, la réalité du terrain. Et je pense que c'est une lourde charge parce que le sujet lui-même est lourd, c'est sûr. Mais il est surtout porteur de nombreuses inquiétudes et parfois même de fantasmes. Alors, j'ai décidé, comme vous venez de le dire, de baser mon propos sur deux charpentes, je ne sais pas comment le nommer, à la fois des témoignages de patients, de proches, et puis des préjugés que l'on entend régulièrement. Je me suis dit que j'allais plutôt vous dire ce que ne sont pas les soins palliatifs, plutôt que de vous les dire ce qu'ils sont, mais vous allez du coup les comprendre en creux. Premier préjugé, enfin, pour le coup, c'est tout ce que j'entends quand je vais dans les dîners en ville et que je nomme mon métier, ce qui n'est pas toujours facile. Les soins palliatifs sont des services où l'on ne va que pour mourir. C'est l'exemple de cette personne qui nous a écrit après le décès d'une personne de sa famille. Le plus choquant pour moi, c'était le mot. Comment peut-on encaisser ou admettre ce qui signifie « maintenant, le projet, c'est de mourir » ? Comment est-il possible que la médecine renonce ? Comment peut-on me dire que l'on s'attaquerait plus à la maladie ? Que l'on ne s'attaquerait plus à la maladie, mais uniquement à ses symptômes ? Mais finalement, avec vous, j'ai compris qu'en fait, les équipes ne renonçaient jamais. Au contraire, avec vos soins, c'est justement la possibilité de vivre encore qui est préservée. Ainsi, si le personnel en soins palliatifs accepte de penser la mort, d'en parler, de s'y préparer, l'objectif principal des soins délivrés est avant tout orienté vers la vie, maintenir aussi longtemps que possible une qualité de vie appréciable. J'ai choisi ce mot pour parler avec délicatesse de moments où effectivement c'est quand même difficile de dire qu'une qualité de vie est toujours bonne, mais en tout cas de l'apprécier, de continuer à faire des projets, de rester dans le lien social, bref, de rester un sujet vivant jusqu'au bout. Et puis surtout, ce que je voudrais qu'on puisse comprendre, c'est que les soins palliatifs ne sont pas réservés aux derniers jours de la vie. Ils peuvent être proposés aux patients porteurs d'une maladie grave, d'une maladie incurable, très précocement dans leur parcours. En effet, avec l'aide des équipes mobiles dans les services, des réseaux à domicile ou des consultations à l'hôpital, il est possible d'apporter aux patients un suivi palliatif et un accompagnement très tôt, voire immédiatement après le diagnostic. En 2002, déjà, l'OMS déclarait « Les soins palliatifs sont applicables tôt dans le décours de la maladie en association avec d'autres traitements pouvant prolonger la vie. » Et effectivement, depuis quelques années, les études s'accumulent maintenant pour présenter l'avantage d'une approche palliative précoce dans la trajectoire du patient. L'étude la plus connue a été publiée en 2010 et elle est publiée par Madame Temel, donc un nom maintenant qu'on entend souvent. Il a donc été étudié dans cette étude 107 patients qui étaient atteints d'un cancer pulmonaire métastatique inopérable et donc incurable. Et alors on a comparé deux populations, 47 patients qui recevaient des soins oncologiques usuels, de bonne qualité, et 60 patients qui recevaient les mêmes soins, mais en plus une rencontre régulière avec une équipe de soins palliatifs. Et alors les résultats ont été éloquents, parce que dans le deuxième groupe, celui qui recevait en plus la rencontre avec une équipe de soins palliatifs, non seulement la qualité de vie est améliorée, on peut imaginer effectivement si les symptômes sont mieux soulagés, on se sent mieux, non seulement on a vu une diminution des symptômes et des syndromes psychologiques, anxio-dépressifs ou psychiatriques, mais surtout, et ce fut une belle surprise, les patients ont bénéficié d'une survie supérieure de 3 mois par rapport à l'autre groupe. Et depuis, d'autres études ont confirmé ces résultats pour d'autres pathologies. Donc on a bien raison de revendiquer la vie comme essence même des soins palliatifs. Deuxième préjugé. En soins palliatifs, on ne fait plus rien. Les soins palliatifs sont un échec de la médecine. Je suis médecin, hein, donc
J'entends pas toujours directement des collègues énoncer ces propos, mais je les entends régulièrement les suggérer, ce qui revient au même. Et alors, dans ces cas-là, je me raccroche dans ma petite tête très fortement à ce que m'avait dit une cousine après le décès de sa maman. Or, j'aimerais tellement que les autres spécialités aient fait autant de progrès que vous en soins palliatifs. Et ça m'a fait du bien parce que c'est vrai que j'avais l'impression que cette spécialité était une spécialité mal perçue ou en tout cas perçue comme celle de l'échec. Et c'est vrai, nous avons de quoi être fiers pour une discipline qui n'existait pas en France il y a 30 ans. Quel chemin parcouru ! Du côté médical, cela arrive, mais il est exceptionnel que nous ne puissions pas soulager les patients. Et nous utilisons, selon les cas, des produits très simples, et puis parfois des produits beaucoup plus sophistiqués, issus par exemple du domaine des anesthésistes. En tout cas, nous avons fait des progrès. Du côté des soins infirmiers et des soins prodigués par les aides-soignantes, ou les auxiliaires de vie auprès des patients, ils s'appuient tous sur des règles de bonne pratique, mais ces règles de bonne pratique, ils les réinterrogent sans cesse et ils les renouvellent sans cesse. Ils font des progrès. Enfin, nos connaissances et nos compétences dans le domaine du soutien psychologique, de la relation d'aide, de la présence, sont également en essor permanent et les bénévoles nous y aident beaucoup. Donc, les soins palliatifs sont des soins actifs. Il y a des gestes. Il y a parfois beaucoup de gestes, parfois techniques, parfois trop. Mais la plupart du temps, il y a juste des gestes humains. Et au final, ce que nous proposons aux patients, ce sont parfois de véritables soins intensifs, mais des soins intensifs à visée palliative. Troisième préjugé, les soins palliatifs sont dogmatiques. Je reprends la lettre d'une proche. Jusque-là, le palliatif, c'était pour moi un sujet de débat audiovisuel occupant une plage horaire à combler en fin de soirée avec des débats entre extrémistes de tout poil. Bien. Alors, c'est vrai qu'on défend certaines valeurs, notamment la place des patients dans les décisions qui les concernent. Et c'est vrai que j'ai bien aimé la référence au film récent sur ACT UP, parce que je pense que c'est vraiment à cette époque-là qu'on a pu commencer à entendre les patients et accepter qu'ils prennent part à leurs décisions, aux décisions qui les concernent. La limitation des investigations ou des traitements déraisonnables, mais aussi le refus de provoquer intentionnellement la mort. Dire cela n'est pas dogmatique, à mon sens. En effet, face à des patients qui parfois expriment leur désir de mort, je peux entendre leur détresse. Je vais dire « je » pour cette période-là qui est peut-être plus intime, parce qu'on a, je pense, tous nos positions avec des subtilités qui sont à prendre en compte. Donc, quand j'entends cette détresse, d'abord je l'entends et je ne la juge pas. Puis je garde en mémoire qu'il y a une grande labilité des patients face à ces questions. Et pour cela, je m'appuie sur une étude qui a été faite récemment dans l'unité de soins palliatifs de Jeanne Garnier. En effet, sur 2157 patients pris en charge dans cette unité, il y a eu 55 personnes qui ont demandé une fois l'euthanasie au cours de leur séjour. Et puis leur demande a ensuite disparu au cours de la prise en charge. Il y a eu 4 personnes qui ont exprimé à plusieurs reprises une demande d'euthanasie. Et pour ces 4 personnes, la demande a également disparu dans le temps grâce au soulagement des symptômes et à l'accompagnement des équipes. Et seules 2 personnes ont formulé une demande qui a persisté jusqu'à leur décès. Donc on peut retenir de cette idée, de cette étude, qu'il y a finalement moins de 3% des patients qui font une demande d'euthanasie au moins une fois en unité de soins palliatifs. C'est en unité de soins palliatifs, il y a peut-être un biais. Et qu'en tout cas, la grande majorité de ces demandes disparaissent au cours de la prise en charge des patients, au cours de leurs soins, ce qui témoigne de l'importance majeure de ces soins et de l'accompagnement. Et dans cette étude, la demande d'euthanasie persistante est restée exceptionnelle, 0,3% des patients. Mais il faut le reconnaître, parfois elle persiste. Alors comment faire ? Jamais je ne juge la personne, jamais je ne juge son opinion, et si elle part en Belgique, je ne la jugerai pas non plus. Mais moi, dans ma position, j'essaie simplement de proposer une autre alternative. Revenons au dogmatisme. En ce qui me concerne, ce que j'aime surtout dans ce métier, c'est qu'à chaque rencontre avec un nouveau patient, je suis une véritable débutante. Si j'ai pu lire son dossier médical, je ne sais rien de lui. Que va-t-il me dire ? Qu'attend-il de moi ? Comment interprète-t-il ce qui lui arrive ? Et de quoi a-t-il besoin ?
Et c'est vraiment cette approche ouverte, bienveillante, compréhensive qui va guider les professionnels pour proposer, sans imposer, un traitement, une toilette ou une vision. Pour interroger sans juger la religion, la culture, l'interprétation de ce patient. Et au final, pour soigner en se centrant sur les besoins du patient, qui sont parfois en fin de vie bien éloignés de ce que la faculté nous apprend. Il s'agit là véritablement d'une médiation pour trouver un accord sur les soins que nous proposons. Et les exemples sont multiples. C'est ce réseau de soins palliatifs qui accepte de faire un accompagnement d'un patient SDF sur un trottoir, sans le laver, ce qui est quand même contraire à ce qu'on considère être important dans nos soins, juste parce que ça lui semblait impossible de proposer aux patients ce qu'il avait détesté toute sa vie, c'est-à-dire être enfermé entre quatre murs. C'est cette équipe de mobile de soins palliatifs qui va en réanimation expliquer à ses collègues qu'il va falloir qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils savent pourtant très bien faire, parce que le patient a rédigé des directives anticipées. Ou c'est cette équipe soignante en unité de soins palliatifs qui accepte l'arrivée de 11 jeunes de moins de 16 ans dans une chambre, parce que quand on a 16 ans, on se déplace en tribu. Voilà, le mot accompagnement prend ici tout son sens. Il ne s'agit pas d'accompagner un patient sur un chemin que nous aurions décidé être le bon pour lui. Mais au contraire, il s'agit d'être à côté de lui, là où il se trouve et là où se trouvent ses proches. Et sur cette route, qui est la leur, qui fait parfois bien des détours, en tout cas elle est souvent sinueuse, il s'agit de proposer un soutien, un appui, pour que cette route soit moins ardue. Quatrième préjugé, le plus fréquent. Les structures de soins palliatifs sont avant tout un lieu de grand malheur. Ne nions pas qu'il y a beaucoup de larmes dans nos services et qu'il ne faut pas les empêcher et qu'il faut même savoir les accueillir. Mais cependant, j'ai envie aujourd'hui de vous témoigner de mon expérience. On rit aussi beaucoup dans nos services. On chante en faisant la toilette, on danse avec des fauteuils roulants, on accueille des artistes, on y célèbre des anniversaires ou des mariages. Et puis, parce que le temps est compté, il en devient encore plus précieux. Et du coup, tous les petits moments de plaisir se renforcent. Un massage, une promenade au jardin, un air de violon, un dessin d'un petit-fils. Moi-même, après 30 ans de soins palliatifs, j'avoue que je suis encore étonnée lorsqu'un patient très malade et très abîmé par sa maladie me dit qu'il est heureux et qu'il va bien. Et, pire que ça, que je vois dans ce regard qu'il le pense vraiment. Ce sont des cadeaux que nous avons quotidiennement. Pour conclure, j'ai envie de terminer sur les proches. Si les soins palliatifs s'adressent à la personne malade dans sa globalité, avec, vous le savez, toutes ses dimensions physiques, psychologiques, sociales et spirituelles, ils s'adressent également aux proches. Et c'est quelque chose qui est pour moi très important, de pouvoir leur témoigner cette présence qui va leur permettre peut-être de cheminer mieux, peut-être de comprendre mieux, peut-être d'accepter mieux, pas toujours. Et qui surtout, j'espère, va leur permettre de continuer à oser. Et c'est à oser quoi ? Oser faire des projets. Et c'est bien sur ce mot que j'ai envie de terminer mon propos, le mot projet, car je pense vraiment que les soins palliatifs, avec votre aide à tous, avec l'aide aussi des institutions qui nous portent et avec l'aide de la société, les soins palliatifs sont avant tout un projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Coppel. Docteur Coppel, avant qu'on vous pose des questions, je vais vous inviter à me rejoindre. Et